7h, chouchou. Oui, nous sommes très vite revenus, 7h du côté d'Otouakam, Vincent Bellima. Et bien ce matin, c'est l'instant réservé à la revue de presse et déjà bien positionné avec le cœur enflammé de joie, oui. M. Ghislain Pierre Essonneau, pour la lecture d'une des journaux parus au Cameroun. Bien le bonjour, monsieur, c'est à vous l'antenne. Voilà, bonjour Thierry, également à Zoflan. Je vous accueille bien entendu le cœur. Mais également les millions de téléspectateurs de Canada International, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Vous l'avez indiqué, ils sont les bienvenus à la revue de presse sur Canal Matin et donc sur Canada International. Et ce matin, on va commencer par une actualité à caractère politique et pour cause. La session parlementaire du mois de juin est rentrée hier en gare du côté de l'Assemblée nationale. Elle s'est achevée sur une note de solidarité et justement parce que le président de l'Auguste Chambre, Kava Yege Djibril, a remis la contribution de la Chambre qu'elle dirige au financement du Fonds de solidarité nationale contre la COVID-19, 100 millions de francs CFA. L'argent en espèces a été reçu par le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Goûté, lui-même présent à l'hémicycle du côté du palais de congrès de Yaoundé. En quittant l'Assemblée nationale, Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitaux publics, s'est insisté sur la dernière révolution qui a été opérée dans le système des avoirs, des pensions, vieillesse, d'invalidité et de décès. Et pour ces derniers cas, pour ce qui est des ayants droit, eh bien la révolution c'est ce décret qui a été signé très récemment encore par le président de la République Paul Biya pour le relèvement des montants à verser aux personnes concernées ou alors on l'indiquait aux ayants droit pour ce qui est justement des pensions de décès. Concrètement, affirme la CNPS, la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, l'opération vaut 15 milliards de francs CFA chaque année pour ce qui est du budget qui est donc mis à disposition. Question de rendre concrète cette mesure présidentielle. La boîte est d'ailleurs prête pour que la mesure prenne immédiatement corps. C'est la nouvelle qui est portée par le quotidien camerounais à capitaux publics, Cameroun Tribune, édition de ce jour, l'économie quotidienne. Qui traite également de cette question ce matin, fixe à 100 000. Voilà donc le nombre de retraités camerounais qui sont concernés par cette mesure, par ce décret du président de la République, daté donc du 8 juillet 2020. Cela, bien entendu, pour dénombrer quelles seront les personnes en nombre qui sont concernées, mais également le montant qui est alloué et qu'il va falloir mobiliser annuellement pour que cela soit donc une réalité après ce décret qui a été signé par Paul Biya. La sociale donne du sourire à ces catégories sociales. Le Financier d'Afrique également en kiosque ce matin accompagne d'une manière ou d'une autre ces mesures qui participent de l'assurance, assurance pour la prospérité de l'humanité. Il faut les redynamiser pour parler ainsi des assurances au niveau du Cameroun, mais également au niveau de l'Afrique tout entière, car à proprement parler, à lit-on dans le journal, le secteur des assurances est encore en berne, notamment en Afrique subsaharienne et partant toute l'Afrique. Tout le continent africain, seulement 2%. Voilà d'ailleurs le taux qui est proposé par le Financier d'Afrique ce matin. 2% seulement en termes de primes reversées côté assurance sur le continent africain en 2018. C'est d'ailleurs un exemple qui est tiré par le Financier d'Afrique. C'est cela le taux dans les 54 pays que compte le continent africain. Peut-être faut-il réformer la CIMA si l'on s'en tient au dit de Protais Ayama, qui a donc été cité par le journal ce matin, lui, en tant qu'ancien président de la Fédération des sociétés d'assurance des droits nationaux africaines. Voilà un dossier qui est donc proposé par le Financier d'Afrique, édition de ce jour. Et pour revenir un peu à l'intérêt humain et parler ainsi du progrès humain, le quotidien bleu le jour du jour se demande ce que par exemple le relèvement de l'âge de départ à la retraite des personnels médicaux et paramédicaux au Cameroun, mesure qui a d'ailleurs été décidée très récemment encore par le gouvernement de la République, eh bien quel en sera l'impact et la conséquence sur leur vie, la vie de ces personnels médicaux sanitaires. Eh bien Ela Emile, c'est le directeur des ressources humaines au niveau du ministère de la Santé, il a été rencontré par le quotidien bleu, il donne à dire que l'État du Cameroun gagnera en qualité de soins de santé en vertu d'une plus grande expérience, notamment des personnels médicaux sanitaires au Cameroun qui eux-mêmes sont accrochés au CERN, question de leur permettre davantage de prouver de quoi ils sont capables.
La deuxième une du quotidien bleu, édition de ce jour, parle de vie et de mort. C'est à propos justement des vendeurs, mieux des trafiquants d'ossements humains qui ont donc été rattrapés par les forces de sécurité du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun. Eh bien, mal leur en a pris. Ils sont tombés dans les nasses des forces de sécurité de ce côté-là. Et Singane, l'hebdomadaire en kiosque ce matin, traverse cette information pour s'arrêter au niveau du ministère de l'administration territoriale. Son patron s'appelle Paul Atanga Ndji. Eh bien, lui qui a donc commis une réflexion, question de montrer le caractère humaniste du président de la République, président national du RDPC, j'ai nommé Paul Biya. Le soir ce matin, s'interroge encore sur la mayonnaise pour parler encore politique qui tarde à prendre dans la symphonie entre le nouveau maire de la cité capitale Yaoundé et les populations de cette cité-là. Encore que 4 ou 6 mois seulement après sa prise de fonction, le maire ne semble pas avoir établi des rapports à tout le moins fructueux entre lui et le personnel pour parler de ses collaborateurs. C'est ce qu'affirme le quotidien Le Soir, édition de ce jour. Quant au quotidien camerounais d'expression anglaise de Guardian Post, au siège imposant, il est question de s'intéresser aux collaborateurs d'hier du président de la République pour parler de ses anciens hauts dignitaires de l'État, les anciens ministres comme les anciens commis de l'État, directeurs généraux et autres patrons d'université. Eh bien, que sont-ils devenus? Que sont devenus les visages connus hier? Où sont-ils? C'est la question qui est formulée par le quotidien d'expression anglaise de Guardian Post, édition de ce vendredi. Le journal est ainsi allé sur les traces de certains d'entre eux. Ngolé Philippe Nguesse, le fils de Mwankom, son village natal, ancien ministre, continue aujourd'hui de donner les cours à l'université, notamment les instituts privés de l'enseignement supérieur. Jérôme Obieta, lui aussi, ancien membre du gouvernement, notamment au niveau du ministère de Forêt et de la Faune. Il se repose depuis 2004. Date de départ de son départ du gouvernement de la République. Il a ce site particulier qu'il a mis sur pied, un cabinet d'expertise. Que sont-ils devenus? Où sont-ils? Ces anciens ministres, notamment aux dignitaires également originaires du nord-ouest et du sud-ouest camerounais, c'est un dossier à tout le moins intéressant qui est proposé ce matin par le journal Le Quotidien de Guardian Post, édition de ce vendredi. Et d'ailleurs, pour parler encore de ces personnalités-là, la situation de Tanyi Mbianyon Clarkson Oben est quelque peu similaire à celle donc de Jérôme Obi et un dossier de retrouvailles à lire dans The Guardian Post, édition de ce jour. Mais Yomé Sala Hebdo, en mode supplément ce matin, réaffirme d'ailleurs ceci que Samuel Mvondo Ayolo, le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, est l'homme du président de la République en pensée, en parole, mais également en acte. De Darkhead, un autre journal en kiosque ce vendredi, ne réfute pas cela, mais se veut fâché comme celui qui fait d'ailleurs la une principale de ce journal ce matin, à savoir Raymond Chignazok. En 38 ans, dit-il, Paul Biya a complètement oublié la région du soleil levant pour parler de la région de l'Est Cameroun, à cause, dit-il, du rôle trouble de l'élite de cette région qui se montre vorace et goinfre, selon les propos du président national du regroupement des démocrates indépendants. C'est d'ailleurs un parti politique de l'opposition politique au Cameroun. Tribune bilingue ne se trompe pas de verbe, d'ailleurs, pour saluer les encouragements du chef de l'État camerounais, dont on sait qu'il a justement procédé au relèvement de l'âge de départ à la retraite des personnels médico-sanitaires au Cameroun. Question de les accompagner, bien entendu, dans leurs risques au quotidien. Ils sont ainsi engagés à sauver les vies humaines. Et ensuite, par le journal, question de dire quels sont ces cadres nouvellement affectés au niveau du ministère des Forêts et de la Faune et qui sont repartis à l'école sous les bons auspices du ministre Jules de Rendongo. Question de soutiller en matière d'éthique et de déontologie administrative. C'est un peu ce que dit le journal, édition de ce vendredi. Et nous sommes bien vendredi, comme chaque vendredi, c'est au quotidien émergence. Eh bien, c'est une problématique qui est soulevée ce matin. Une réflexion, celle de ce matin, porte sur comment et pourquoi et seulement maintenant. Quel est pour parler de la République des terroristes de la part.
Voilà donc de retour après ce petit problème dû certainement à d'un pluie qui bat les records à Douala aujourd'hui. Certainement beaucoup d'inondations, donc beaucoup de courage à nos amis qui traverseront de moments très très difficiles pour sortir de leur domicile. J'imagine, j'imagine de quoi on sera obligé d'avoir deux paires de chaussures, deux pantalons ou des t-shirts parce que sortie de la maison pour se retrouver sur la route principale, ce ne sera pas du chocolat. Je pense que toutes ces personnes sont déjà habituées depuis le temps. Ces personnes sont vraiment habituées. Oui, parce qu'à chaque saison, comment expliquer donc, à chaque saison de pluie, c'est le même rituel. Donc, et ces personnes sont toujours installées là. Parfois, elles n'ont pas d'autre choix que de rester là. Donc, à un certain moment, on est un tout petit peu habitué. C'est-à-dire, quand il commence à pleuvoir, on sait qu'on doit se réveiller, qu'on doit sécuriser un tout petit peu certaines choses, qu'on doit chercher assez rapidement deux tenues. On doit suspendre le lit. On doit suspendre le lit, qu'on doit suspendre aussi. Ce n'est pas de gaieté de cœur, mais on n'a pas d'autre choix que de le faire. Donc, à toutes ces personnes-là, on pense déjà très très fort à vous ce matin. Il y aura sans aucun doute des inondations aujourd'hui dans la ville de Douala. À suivre dans le cadre de cette production, un mot sur la prévention des douleurs articulaires. On en parle énormément. Certains disent même que quand vous avez mal aux articulations, c'est un tout petit peu la maladie des vieux. Il n'en est rien. Il est tout à fait possible de prévenir ces maladies-là. Et on va voir ça avec le phytothérapeute et nutritionniste Marcel, docteur Marcel Tiguet. À suivre aussi la case chanson du cœur. Oui, et ce matin. Et nous sommes en Côte d'Ivoire ce on matin. On est resté en Côte d'Ivoire, des auteurs que vous aimez certainement. Oui, des chansons qui ont remporté un franc succès il y a de cela plus de 10 ans. Et nous avons ce matin l'un pour l'autre du sieur Soumil et Je t'aime du groupe Espoir 2000. Donc vous pouvez dès à présent vous connecter sur notre page Facebook et commencer à choisir le titre qui vous aura le plus retourné. Pour l'instant, alors qu'on a quelques soucis de reconnexion avec Yaoundé pour retrouver Saint-Pierre et Sono, nous allons nous intéresser à une petite page de publicité. A tout de suite.